Les travaux d'aménagement du quartier de la Guillotière ont débuté aujourd'hui. Attention donc, hein, si vous circulez dans le secteur, des perturbations sont à prévoir dans les prochaines semaines. Un passage piéton doit, dans un premier temps, être créé au niveau de la place Gabriel-Péri. Sur place, les précisions de Clémence Delarbre. C'est le premier aménagement d'envergure qui commence aujourd'hui à la Guillotière. Vous le voyez derrière moi, les travaux ont débuté ce lundi matin. Des travaux pour construire un passage piéton reliant la place Gabriel-Péri et la place Pierre-Simon-Ballanche. Un passage piéton pour fluidifier les déplacements à pied et éviter surtout les attroupements de personnes sur ces deux places. Alors ces travaux débutent ce lundi et ils devraient durer entre 6 et 7 semaines. Un temps relativement long pour la construction d'un passage piéton, mais qui s'explique par la difficulté de modifier ce carrefour, car ici circulent non seulement des voitures, des vélos, mais aussi des bus et surtout le tramway. Il va donc falloir modifier en profondeur ce carrefour. Après ce passage piéton, d'autres projets devraient suivre, comme la piétonnisation d'une partie de la rue de Marseille ou encore la suppression des places de stationnement en épi à l'entrée du cours Gambetta. Tous ces projets sont encore en cours à la métropole. En tout cas, si possible, évitez ce secteur dans les semaines à venir car il sera très difficile de circuler ici à la Guillotière.